Hey, salut à tous, ici Pancake, on se retrouve en compagnie de Pixie pour le 13ème épisode de Pokémon Et bonsoir! MMO. Marathon. Yes! Waouh, je saute les barrières, c'est trop bien! Et du coup, on est bien d'accord qu'on doit faire l'arène. C'est ça. On doit faire l'arène. Et donc, comme vous avez pu le constater, j'ai un mini Draco! Que j'ai été acheter au casino et qui a des stats super bien, je crois, normalement. Donc, il a. Il a plus d'attaque spéciale. Et moins de défense, donc je pense que c'est super pour lui. Dans tous les cas, on va faire l'arène. Et moi, j'ai Johnny Depp, un très beau Aquali. Et du coup, Mini Draco, je l'appelais Dorothée. Et Evoli, je l'appelais Chantal Goya. Je sais pas c'est quoi les pires. Oh, c'est Chantal Goya le pire, mais c'est pour troll. Quoi, Evoli, c'est féminin toi? Ouais, féminin Evoli. Ouais, c'était masculin, donc t'as une idée. Eh ben on peut les faire se reproduire, ça fera plein de petits Evoli. Non. Touche pas à mon Evoli. Touche pas à sa virginité. Eh mais j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que la pension elle marche sur Pokémon, genre quand t'es pas sur le jeu? Alors ça c'est une bonne question, je ne saurais y répondre. Mais imagine que t'es un Pokémon de faire XP, tu peux le mettre à la pension et revenir le chercher 8 jours après. C'est clair. Sincèrement, je pense que ça marche pas si t'es pas court. Je pense pas, mais. Ouais. Faudrait voir. Putain, faut déjà que j'aille le ressusciter. Oh, ça va prendre du temps, cette arène, je le sens. Parce qu'il faut que je le pexe, il est level 18, il s'est fait one presque. Il s'est fait tout shot, quoi. C'est un peu relou. Merci, c'est triste. Pété 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 pété. Ouais mais c'est pareil, je suis en train de pack Johnny Depp. Le portable. Ah, le mien a toujours pas vibré, c'est incroyable, normalement il vibre tout le temps. Ah, c'est ma mère qui me dit qu'on va au restaurant ce soir. Eh bah putain. C'est il cool, a bien fait. Ouais. Merci. Tu vas pouvoir prendre de la purée gastronomique. Non. À la betterave. On va se faire un couscous. Ah, moi j'en ai mangé un ce midi, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux qu'on rentre dans sa vie, elle a un monsieur à me faire présenter. Donc voilà. Ah. Et comme la dernière fois, ce monsieur l'a emmené au couscous. Et ma mère a fait putain, quand je vais le dire à mon fils, il va être jaloux. Bah du coup, il m'emmène également au couscous. Ça, c'est pas cool. Eh ben. Qu'est-ce qu'il est galant. Ah ouais, non. Le couscous, c'est la vie. C'est pas mal, l'attaque de Dracorage, ça fait 45 points de dégâts. Je commence à regretter d'avoir mangé à 14h, moi. Eh ouais. Ça fait plus dans les 15h. Tu peux aller te faire vomir après, hein. Tu ouais, mets deux doigts bien placés, et puis voilà. C'est pas trop mon délire. Je vois qu'en plus, genre, j'ai une phobie, genre, pour vomir, c'est un truc que je supporte pas, genre... Si je suis malade, genre, je peux m'en foutre. Mais si je sens que je commence à avoir la nausée, genre, je vais stresser comme un porc, quoi, par peur de vomir. Ouais, j'aime pas ça non plus. Ça fait genre des années que j'ai pas vomi, hein. Ouais, moi non plus, c'est pas une phobie, mais c'est un truc que je supporte pas. Les super sujets de discussion qu'on a. Du vomi et des arènes, c'est vrai le titre de la vidéo. Putain, mais lol. Bah oui, tu vois, quand je dis, faut jouer. Ah lol. Si vous avez besoin de moi pour une propagande, n'hésitez pas à faire appel à moi, je suis assez persuasif comme mec. Tu vas jouer à LOL, enculé. Du coup, une petite potion. Est-ce que j'ai une petite potion? Non, ça c'est huile, ça c'est pas potion, ça c'est réveil. Ah, potion. Voilà. D'ailleurs, que... l'huile qui m'a servi à faire mes patates tout à l'heure. Ne l'oublions pas. Formidable, non? Voilà, j'étais là pour vous donner des infos utiles. Du coup, je veux juste regarder un truc. Si vous voulez, un jour, je vous ferai des tutos cuisine, ça s'appellera Cooking Pancake. Épisode 13, finir l'arène de Céladopole et la moitié du casino Team Rocket. Ok. Ça veut dire quoi, la moitié? Faut s'arrêter au mec qui nous donne la clé de l'ascenseur. Ok. Pé, 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 pé.
Putain, ils me font chier ces chétiflores de mort. La santé mort, chétiflore. Chétiflore. Allez, il a peur, chétiflore. Du coup, je le mange. Vas-y, il est fier, hein. Tu lui as fait morsure, je suis sûr. Oui. T'as vu, j'ai fait une rime. Arrête que je suis drôle. On arrête les rimes, c'est plus halal. Ah. Moi j'aimais bien les rimes. Non, je rigole. C'était de la grosse merde ce défi. C'est clair. Mais nous le dirons plus. Sinon. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et apparemment, vu qu'on discute sur le Skype. Du groupe, on n'est pas les seuls à l'avoir eu ce défi, hein. Je crois que c'est la team Girly qui l'a eu aussi. Ah ouais, ça j'avais pas vu. T'as pas vu? Elles ont fait ah, ben vous avez pas vu, nous on a dû faire des rimes. Elle fait ah. Eh bah ben, si, on a bien vu. Et apparemment elles ont pas aimé non plus. Ah ouais. En même temps, qui aimerait faire des rimes. C'est relou. T'as peur de parler, quoi. Grave relou. Malabou. Marabou, bout de ficelle. Celle de cheval. Cheval de course. Course à pied. Pied à terre. Terre de feu. Feu follet. Les deux vaches. Vache. What? Et la vache de course. Vache de ferme. Vache de ferme. Ferme ta gueule. Gueule de bois. Gueule de loup. Gueule de loup. Loup des bois. Non, c'est pas une gueule de bois, boîte aux lettres. Ah, peut-être. Je sais plus. Lettre d'amour. Ah, je suis perdu. La fin, je m'en souviens jamais, quoi. C'est Moura 3, mais je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Je veux pas savoir c'est quoi tes plans bizarres, mais après... Ouais, je suis persuadé, c'est Moura 3. Moura après, 3. Trois petits chats. Chapeau de paille, paille à son, son mondule. Bulotin, Tintinbar, Marabout, bout de ficelle. Celle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre. Ouais, on y retourne. Non mais vas-y, continue, moi je t'écoute. Hein. Tu peux faire tout l'épisode comme ça. Franchement, on aurait dû faire ça pour notre épisode. C'est trop con. Mais c'est pas des rimes. Un petit peu quand même. Bah ouais. Ça s'arrête jamais, tu vois. Et tu finis par une rime. Tu chantes toute la chanson, tu finis par une rime. Je crois qu'il y avait une autre version avec chien de garde, mais... Ah, je crois qu'il y a plusieurs versions. Bon, du coup, faut toujours aller soigner l'autre con, là. Et ouais, ça fait chien de garde, garde à vous, vous voulez les deux vaches. Mais je sais pas comment t'arrives à chien de garde. Je sais pas. Parce que nous, on a des conversations utiles, hein. Pas comme vous, hein. Je suis sûr que vous regardez les vidéos, vous pensez à quoi? De la physique, de la chimie, de la philosophie, nous on pense à quoi? Les paroles de je... De les deux vaches. De trois petits vaches. Chats. Trois petits chats. Ah non mais nous il y a du niveau hein. Faut pas croire. Hein. Mais quand on va arriver avec une parodie Pokémon de trois petits chats, vous ferez moins les fous. Vous êtes en train de kiffer. Hein. On va faire des vues là, vous inquiétez pas. Parce que regarde, Tortank, il y a aucun Pokémon qui pense en tank, donc on est déjà baisé. On est déjà baisé. Misterbe, air bizarre. Putain, ça commence bien. Zarbi. Zarbi. Après. Bicyclette. Ah ouais, quel Pokémon incroyable. Ça, c'est le meilleur Pokémon du jeu. Hein. Bicyclette, attaque coup de roue dans ta gueule. Bicyclette, fuck yeah. Oh non, il a l'air bizarre, il a tué mon... Oh, il me casse les couilles. Yamete Kudasai. Yamete Kudasai, Yamete, Yamete, Yamete Kudasai. Laissez Mini Draco tranquille, il vous a rien fait, putain. Je crois que je vais le pex en 9. Est-ce que t'imagines un hentai qui serait en mode Yamete Kudasai? Genre, tu vois, avec la voix de Google Traduction, c'est genre trop bien. Avec la voix de Siri. Yamete Kudasai. Peux-tu faire un bruitage hentai? Voici le résultat de ma recherche sur le web pour que tu fasses un bruitage.
fromage à taille. Voilà. Il y a ma taille. Moi j'ai plus Siri, eh oui. Tu n'as plus de téléphone ? Ou tu n'as juste plus d'iPhone ? Je n'ai plus d'iPhone, j'ai eu le 3GS, le 4GS, enfin le... ouais le 4. Enfin, c'était 3GS, après le 4S, et puis après j'ai... je suis passé au Samsung Galaxy S6. Parce que les iPhones ça me cassait les couilles de plus avoir de batterie. Bah le 6 il est vachement bien au niveau batterie. Hein. Ah mais là le S6 il est vachement trop bien. Ne serait-ce que même sans le fait que la batterie tienne, les autres trucs sont... Enfin le téléphone il est trop cool quoi. Bah le 6 aussi, genre j'ai pas de soucis avec, franchement il est grave cool, et puis l'empreinte, le truc d'empreinte digitale il est genre trop bien. Je pense que Apple c'est le seul truc où ils se démarquent vachement des autres, c'est leur lecteur d'empreinte digitale, je pense que c'est le mieux que j'ai testé parmi tous les lecteurs d'empreinte de tous les téléphones. Y a pas à chier, il est trop bien. Bref, sinon l'iPhone c'est de la merde, mais quand on en a un c'est difficile de changer, à part quand ça s'appelle Pixie. Ah j'ai réussi. Quand on a connu les iPhone 4S, c'est pas forcément vachement cool. Ah, il était bien le 4S, hein. Ouais, j'avais les 4. Mais juste le 4 normal, il était pas ouf, hein, clairement. Ah, les S sont souvent meilleurs à chaque fois. Ah, c'est le but, je pense, du truc. C'est ça. S'ils sortent un nouveau téléphone... Supérieur, tu vois, c'est supérieur. Alors, les gens, j'ai une idée. Entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7, on va faire un téléphone qui est moins bien. Ça va surprendre tout le monde. Trop cool. L'iPhone 6 moins. Pour les pauvres. Et en plus, on pourra même faire une coque en bois. Non, ça coûte trop cher. Non, une coque en carton. Ou en bois de récupération. Une coque écolo. Ça pourrait être pas mal, non ? Une coque en bois de récupération. Mais dans une coque en carton, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Putain, ils ont que des chétiflores. Et normal, c'est le principe des types plantes MDR. C'est le principe. Oh, pas Boustiflore, je n'aime pas ce bâtard, il a déjà tué Mini Draco. C'est bon, j'ai tué Lisa. Le mec, il note toutes ses victimes dans son livre. J'ai tué Lisa. Bah, je comprends pas, hein. Je viens de m'apprendre un truc dans mon Death Note. Faudrait que j'écris mes victimes avant de les tuer. Mais je sais pas. Paraît que ça marche mieux. Je préfère avant, je trouve que c'est plus simple. Alors, putain, je peux utiliser une hyper potion. Ah, une super potion, voilà ce dont j'ai besoin pour Dorothée. Allez, suce-moi ça, Dorothée. Oh non, il me fait un coup critique, le bâtard. Suce-moi ça pour les intimes. Suce-moi ça pour les rageux lapinous. Pour les intimes. As-tu connu Suce-moi ça Lapinou ? Non. C'est un youtubeur Call of Duty. Oula, ça m'étonne pas que je connaisse pas. S'appelait Suce-moi ça Lapinou. Un mec assez cool dans le milieu. C'est rare ça, des mecs cool dans le milieu Call of, j'imagine. Bah, c'est rare, hein. Ouais, je pense, hein. Mais bon. Il y a encore des gens qui vont se désabonner si on dit ça, donc. Non, parce que c'est de la merde quand même. Call of, de la merde? Non, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Enfin, ça dépend. C'est juste dommage que. En fait, le gameplay est cool. Donc, ils font pas d'innovation et quand ils essayent d'en faire, bah, ils font n'importe quoi. Faudrait qu'ils fassent des mises à jour, je pense. Il faudrait qu'ils sortent un gros jeu et qu'ils fassent que des mises à jour. Ce serait ce qui irait le mieux pour eux. Hein. De toute façon, je me permets de critiquer parce que j'en ai rien à foutre des FPS en général. J'aime pas ça. C'est le mec qui a joué à Counter-Strike. Hein. C'est ça. Mais j'y joue pour jouer avec mes potes. Mais j'aime pas. Hein. Non, t'aimes pas Counter ? Non, c'est chiant. Je sens que je vais perdre le combat contre la chef de l'arène. Hein. Surtout avec les 6 câblettes. Oh, t'es sérieux, mec ? Tu utilises tes potions, tes rappels, mec. L'Empifor, il est trop fort. Je prends un vieux slogan de pub. L'Empifleur, il est trop fort. J'ai crevé ma gueule. Non, meurs pas, on va pas perdre 5 points là. C'est fini, perds plus de points. On se concentre.
Fais pas le con. Utilise tes larbins, tu balances un rappel, une potion. Voilà, tu fais pas le fou. La giga sensuelle, elle fait trop mal. Putain, mais en plus fort, c'est trop fort. Mais c'est... si je me prends des potions, elle récupère sa vie. Hein. Si j'en prends pas, je meurs. Je fais comment? Ouais, je suis mort. Tous tes Pokémon sont morts. Ouais, sauf les larbins. Ouais, mais les larbins, tu utilises rappel. Après, tu prends un deuxième. Tu utilises rappel. Ton larbin meurt. Tu utilises un autre larbin. Tu fais super potion sur celui que t'as rappelé. Puis tu le renvoies, quoi. Par contre, c'est lequel. T'as quoi, toi? C'est un type combat. Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, c'est la personne qui peut le tuer, en fait. Ah, bah t'aurais dû prévoir un Pokémon pour ça, quoi. Parce que c'est sûr que si t'as pas d'anti-herbe et que t'as. Ouais, c'est chaud, quoi. Et entre temps, il a récupéré toute ta vie. Je pourrais pas. Hein. Ah mais Giga Sensu il a que 5 fois hein, je crois. Si je dis pas de bêtises, il peut le faire que 5 fois hein. On calcule. Sérieux? Ouais. Ah mais c'est le premier Pokémon, enfin c'est le. Après c'est le... il y a d'autres Pokémon tu vois. Sérieux, c'est le premier. Je crois qu'elle a 2 Ampiflore en plus. Sérieux? Je te jure. C'est toi, tu vas jamais faire l'arène mon gars. What? Fatal erreur, Randor a eu lieu. Veuillez poster votre console log. Ok. J'ai crash, ça compte comment? Moi je pense que ça compte pas comme une défaite. Mince. Là, quel dommage. Dans ouf, t'as l'erreur. A eu lieu. Mais du coup, quand tu vas Torco, ça va te remettre où? Aucune idée. Ouais, je coupe l'enregistrement ici, je vous dis à tout de suite. A tout de suite, Pancake. En effet, il fait mal l'Ampiflore. Hein. Allez, pique, ça devrait le niquer sa race. Oh, ça l'a pas one shot. Ah oh, c'est bon. Il me fait pas tant de dommages que ça. Oh, il est un peu relou de se soigner. Oh putain, elle change. Attention, Rafflesia. Putain, ça fout le seum. C'est quoi cette arène de merde là? Ah, ils font chier avec Giga Sensu, hein, c'est relou. Oh, je reviens. Et re-Ampiflore. Allez, t'aurais pu le tuer, gros con. Et le dernier, je crois que c'est encore un Ampiflore. Un sac de nœuds. Putain, c'est Pancake! Mais chut! C'est Pancake dans ma série Emerald Plus. Mais arrête, t'es trop utile, mec, hein, tu te rends pas compte. Putain, un Pancake devant nos yeux, level 24. Bon, il a un petit level de merde, par contre, Pancake. Mais ouais, il vient de tuer Johnny, donc je ne l'aime pas trop. Elle a 2 Ampiflore? Non, elle a un Ampiflore, un Rafflesia et un Pancake. Ok. Ouais, ça forcément ça lui fait rien dans pregame, je suis un peu débile. Le retour, je viens de tuer l'Ampiflore. Et en espérant que ça va mieux se passer pour les autres Pokémon. Ah du coup t'es encore en combat? Ouais, ça m'a remis sur le combat. Ok. Ah mais elle a encore Giga Sensu elle? Ouais, Rafflesia, ils l'ont tous Giga Sensu. Sérieux? Ouais. Bah, j'ai perdu hein. Ouais, je lui ai niqué sa gueule. Badge arc-en-ciel. Mais c'est bon, j'ai perdu. Hein. Ah bah, va falloir que tu chopes un Pokémon de soit de type vol, soit de type feu. Pour faire l'arène, je pense qu'un truc qui vole pourrait être sympathique. Si je prends base potion, ça devrait passer ou pas? Difficilement, je pense. Hein. Je vais prendre base potion, mais je suis en dingue. Ça va te coûter la peau du cul, mon gars. Ça va durer 50 ans ton combat. Bon, du coup, pendant que je vais pex mini Draco, moi en attendant, tu sais quoi? Bah, fais-toi plaisir. De toute façon, j'ai que ça à faire. Je vais t'attendre quand même. Super potion. Ah, mais il y a un Caninos là, si tu veux. Tu peux capturer un Caninos level 21, le pex un peu. Flemme. Bah, ouais, mais bon, ce serait la manière la plus simple pour toi. Flemme.
J'ai acheté 25 super potions. Je sais pas que ça va faire. J'ai été déçu là. Pense à prendre des rappels aussi, je pense. Y'en a pas. Comment ça, y'en a pas? C'est pas achetable encore les rappels. Si, si. À la ville de. Comment ça s'appelle? De celle-là de Paul, il y en avait des rappels. Pas de celle-là de Paul, mais celle d'avant, là, l'avant-ville, il y en avait. Bah oui, mais l'avant-ville, c'est après. Non, c'est avant. Ouais, techniquement, c'est après. Non, mais pire, tu vas à Safrania, quoi. Il y en a des rappels. Dans le centre commercial, c'est sûr qu'il y a des rappels. Les rappels, ça sert à rien. Ah bon, bon bah. Ça va nous faire perdre 50 points. Et les rappels, ça sert à rien, on est d'accord. On est d'accord que perdre des points, c'est mieux, quoi. Mais attends, je vais retourner ici, mais s'il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de rappel, tant pis. Hein. Ah si, il y en a. Ça coûte trop cher, cette merde, j'en prends que 4. En pareil, je vais pas les utiliser, je vais y aller avec Tor Tank et full soin, full soin. Et elle se fait one shot, Jennifer Lawrence aussi? Oui, quasiment. Putain. Du coup, il a quoi, mis des dracos comme. Ah, il a mu, ah, ça c'est parfait. Il peut guérir des paralysies et compagnie. Bon. Oh, un Goupix! It's time for l'arène. It's time for l'arène. J'ai jamais vu un truc aussi horrible. Bien metté. Et maintenant, it's time for l'arène. C'est tellement dégueulasse. Mais non, ça, ça passe crème. Et bim, je suis plus paralysé, mon gars. Et ouais. Bon, alors, on est parti. Et maintenant, it's time for la crème. Hop, c'est bon, t'as peur. Je te remange. Hâte de manger les dresseurs. Un coup critique, giga sensu. Tu veux que ça me fasse quoi, gros? J'ai une armure. Il s'est remis full life. Non. Tu veux que ça me fasse quoi, mon gars? Giga sensu, et alors? Tu veux quoi, mec? Quoi, on coupe? Ouais. C'est quoi ce délire? Pourquoi il me fait plus de dégâts que juste avant? Un coup critique, boum. Ok, bon, déjà t'es mort. Oh le bâton. Tu te feras plaisir. Ah, c'est bon, on peut pas changer de Pokémon entre deux? Pourquoi tu pourrais pas? Bah, ils m'ont pas proposé. Ah oui, entre deux, oui, non, tu peux pas. DiCaprio va te suicider. RIP DiCaprio, tu n'auras pas l'Oscar. Ah non, mais si, ça, ça dépend de comment est-ce qu'il meurt. Mais tu sais que DiCaprio c'est The Revenant, donc dans tous les cas il va revenir. Ah ouais, c'est clair. On envoie Johnny Depp en suicide aussi, ou pas? Allez, go. Non, il est fou. On a besoin d'un tortank full life pour gagner. Chantiflore. Oh. Bah il est mort, Chantiflore. Non, c'est Raflesia. Non, mais moi j'ai un Chantiflore contre moi. Là. Ah, il est sauvage et tout. Du coup, j'ai mis deux morsures dont une en critical hit. Maintenant, Giga Sensuel, elle se redonne tout. Au calme. Ah non, il n'a pas tout repris parce que j'ai plus beaucoup dit. Et bon, it's time for Dwayne Johnson. Montre-nous ce que tu sais faire. Morsure. Hop, t'as peur, mon gars. Une autre morsure. Hop, t'as peur, mon gars. Non, hyper potion, c'est n'importe quoi. Elle en a qu'une hyper potion. Ok, bah elle l'a plus. Morsure. Ok. Combien de gigas sensu que je vais prendre de la part de Raplaisir? Qui me fait beaucoup trop mal. Enfin, plus mal que celui d'Ampiflore. Et c'est bon, t'as peur, mon gars. Hop, easy. Dwayne Johnson, level 42, sac de nœuds, le retour. Pancake versus Pancake.
Ah, il est nul. Hop, il a peur. Sur mes noirsures. Allez, pancake. Vas-y, il a sans su. Ça va, ça me fait pas si mal que ça. Je peux le battre. Easy. Noirsure. Ah merde, on se meurt pas. Je reviens de Gigas en dessus, qui va faire beaucoup trop mal. Ich. Allez. On croit en toi, Dwayne. Et boum. La victoire pour le peuple. Ouais, n'oublie pas de dire à Zarek qu'on a perdu 5 points. Tu peux lui dire comme t'es en train d'expliquer. C'est pas moi qui ai perdu 5 points. Ouais, mais quand j'étais mort, c'est moi qui lui ai dit aussi. Bah normal, t'avais fait tout d'un coup. Bah oui, bah tu peux lui dire, t'es en train d'XP. Ah non, mais l'XP c'est précieux. Ok. Je veux pas, je dirais, je m'en fiche un peu, hein, écoute. Level 23. Oh, cool. Et voilà, je suis de retour au bercail. Centre Pokémon. Hop. Bon, on va se faire ce casino ou pas? J'arrive. Je t'attends, je t'attends. Je suis au centre, je soigne vite fait Dorothée qui a pris la fessée. J'attends devant le centre Pokémon parce que je suis mec gentil. Ah non, mais t'y es même pas. Je suis au centre, mais je vois le mec arriver en vaisseau. En vaisseau. En vélo à fond. J'arrive en vaisseau, je suis un grand malade. YOLO! Yo. Attends, mon jeu il a crash. Allô le jeu. Allô. Et allez, ça fait deux fois qu'il crash. Ah putain. Je relance. À toutes. À toutes hein. Il vient même pas se fermer. Oh putain, croc de mort, ça fait tellement mal. Le croc de t'es mort. Je veux pas se fermer. Ouh, coup critique. Nosferapté. C'est bon, j'ai réussi à fermer le jeu, mon gars. Trop fort, mon gars. Beaucoup trop fort, mon gars. Bon, du coup, on va relancer. Again and again. And again and again. Oh, attends, t'es sérieux? De quoi tu auras affronté Erika? Non, mais ma vidéo elle crash du coup. Ah. Bon, bah, il y aura un petit trou, hein. Oh, je suis pas mort. La grosse taille. Ah, mais du coup, ça va poser des problèmes. Si genre on meurt, enfin, si genre je suis mort, mais qu'il n'y a pas la vidéo où je suis mort. Bah moi ça n'a pas crash hein. Ouais mais tu vois pas mon combat. Non je vois pas ton combat mais enfin on sait que tu meurs parce que tu le dis. Ouais c'est dommage. J'ai bien géré mon combat. C'est vachement dommage. Du coup je t'attends devant l'escalier. Je bois un coup. Quel escalier? L'escalier secret qui mène à Repère Rocket dans le casino. Ah, attends, t'es rentré dans le casino là? Bah ouais, j'ai déjà fait le premier combat. Ah ouais, t'es comme ça. Bah, mec, il me dit je crache quand je suis en plein combat. Ouais, t'es comme ça, ok, mais je retiens. C'est toute la différence entre un Silver qui crache tout le temps. Hein. Oh, tu fais trop le fou. Hein. Je fais le il est fou. Où déjà le casino? Oh putain, c'est pas mal. Casino. Où est-ce qu'il est, pancake? Il y a pas de casino dans cette ville. Casino. Je te vois plus, hein. Casino. Où est-ce que t'es, mec? Casino. Je fais le tour de la ville, je t'ai pas vu donc. Mais j'y suis depuis tout à l'heure, je cours. Casino. T'es sûr que t'es sur le même channel que moi?
Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça, je sais pas quel channel. Je sors le 4. Ah bah bravo. Casino. Bon, tu te situes où là que je te montre où c'est? Casino. Putain, mais crôle. Je sais pas. Je sais pas. Va au centre. Ok. Casino. Allez, viens. Parce que je pensais que c'était ici, mais j'avais vu que c'était un magasin de livres. Ah, mais il y a deux portes, ok. C'est la triche. Et de retour, donc j'ai crash, j'avais pas la partie du combat, j'ai perdu lamentablement en me reconnectant, et voilà. Enfin, où? Faut que t'affrontes le monsieur là, et après que t'appuies sur le poster. Et puis après tu me rejoins. Si j'ai pas envie. Mais tu fais pas chier, c'est toi qui crache sans arrêt. Là. Mais t'es vraiment un rabat-joie, c'est pas possible. Mais c'est toi le rabat-joie à cracher là. N'importe quoi ce que tu dis, vraiment je vais prendre mal si ça continue. N'hésitez pas à aller voir, regarder ma vidéo sur cet épisode, puisque moi j'ai toute l'intégralité de la défaite de Pancake, et ça vaut le coup. Mais il dit n'importe quoi, je suis pas mort, c'est seulement dans les films, il y a 5 points qui se sont enlevés du décompte, j'ai pas compris en plus, c'est vraiment bizarre. En fait, c'est petit qui m'en offre, mais qui veut pas le dire, mais voilà. Après, moi je dis ça, je dis rien les gars. Ça c'est les excuses de Silver. Quelle excuse de Silver? T'as con, j'étais Silver. Ça c'est la faute du jungler. La faute du jungler. Toujours. Attention à toi. Parce que c'est pas de la faute du jungler, c'est de la faute du support. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est moi le support. Tu joues support, toi? Ouais, je suis un main sup. C'est pas le meilleur pour monter, mais ça peut. Bon, tu me diras, je suis monté avec Nami support diamant la saison dernière. Bah, c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus ouf pour monter. Hein. Vraiment. Mais... Et ouais. En jouant mid aussi. Et Echo Jungle aussi. Mine, c'est mon main post normalement. Mais le jungler, c'est ce qu'il y a de mieux. Pas le jungler, le support. Le jungler, je déteste ça. Bah, c'est pas mal. Hein. Trop de témoins, hein, mais. Je sais pas, je jouais jungler en saison 3. Et depuis qu'il y a eu des changements dans la jungle, bah, je me suis jamais intéressé. Depuis qu'il y a eu le carapateur, je bah, fais plus de jungle. Ouais, c'est vrai, hein. Je suis jamais réintéressé. Surtout que jungle c'est toujours le rôle avec mid pour lesquels les gens se battent. Tout ça parce qu'ils veulent jouer leur duelissime qui sert à rien, qui sait pas faire de dégâts et qui sait même pas mettre un Q-spell. Ah toi aussi t'as connu ce Lee Sin là. C'est le genre de mec qui arrive à faire une insec, un creep, je sais pas comment. Ah, j'ai oublié de prendre la Pokéball qui était sur la table. Ouais je l'ai prise. Allez. C'est quoi? Je sais déjà plus. Une corde sortie, je crois. Perdu. C'était quoi? Une corde sortie, je crois. Bon, je vais aller soigner vite fait. Mais non, on va pas soigner, on continue. Mais Mini Draco, il prend sa race, quoi, je te jure. Ouais, c'est vrai, je suis censé faire Pex slow. Mais il m'énerve déjà. Ah bah ouais, bah tu sais ce qu'il te reste à faire en off, hein. Attends, mais y'a un vocal, c'est n'importe quoi. Y'a quoi? Oh non. Pourquoi est-ce que ça m'a remis à filmer avec ma webcam? Ok, du coup je supprime cette partie de vidéo, on va reprendre que ici. Oh mais putain. Alors tu... de nouveau de retour, de retour. Parce que... Que s'est-il passé? J'ai crash, puis mon logiciel a fait n'importe quoi. Donc j'ai repris et voilà. C'est à peu près tout. Donc si vous voulez tout ce qui s'est passé entre temps, allez là, dans la chaîne de Picty. Dans sa chaîne, hein, carrément. Ouais, dans ma chaîne, c'est Inception quoi. Ah maintenant faut prendre l'escalier qui descend, pas l'escalier qui monte. Ça marche mieux. Et du coup c'est après lui qu'il faut s'arrêter ou pas? Non, c'est celui qui nous donne la clé, c'est un vieux péon. Ouais mais il est encore loin, non? Un petit peu. Ok, bah go. Ça me déguise retour du coup.
Cette fois... Attends, mais il y a encore ma webcam. Oh. Hein, hein. Tu t'en fous au pire, non? Bah non, sinon ça va pas être sain, ça va pas le faire. Ça va pas être sain. Finis non, tes phrases. Je pourquoi tu tournes à poil? Ça va pas être sain. Le mec il se tripote la nuit pendant qu'il tourne. Je veux dire que ça va pas faire synchro, mais en fait c'est pas synchro, mais ça va pas faire... Oh, je sais pas, ça va pas faire ce que je voulais dire que ça fasse, tu vois. Uniforme, voilà. Mais oui, c'est clair. De retour de le retour du retour, mais vraiment de retour pour ceux qui sont sur ma chaîne et pas les autres. Et bonsoir. Et cette fois nous sommes du coup de retour. Vérifie qu'il n'y ait pas la webcam. Hein. J'ai eu pas mal à... Quoi? Il n'y a pas la webcam dans le jeu. Et du coup... Tu te rends compte qu'on va faire un épisode de 3 heures? Mais non. Mais toi t'auras un épisode de 10 secondes en fait, moi j'ai un épisode de 3 heures, les gens ils vont pas comprendre. Alors pour moi c'est la version light, et si vous voulez la version complète, faut la payer sur la chaîne de Picky. C'est comment ça, c'est comme les applications. Comment est-ce qu'on paye une vidéo sur la chaîne de Picky? Moi-même je ne sais pas, mais vous avez trouvé. Ah c'est comme sur iTunes, hein, les applications version light où c'est gratuit mais t'as qu'un niveau. C'est ça. Il faut payer quoi. Est-ce que ça existe encore ce genre de choses? Je pense que oui. Mais ça c'était là quand on était en 2007. Vu qu'on est comme ça. Ouais mais ça marchait bien je pense quand même. Ça donnait envie de jouer au jeu quand même. Ouais mais au final tu l'achetais jamais. Bon ça dépend. Parce qu'on avait 8 ans. Ouais j'avais un iPod je crois à l'époque. Non c'était à mes 10 ans, j'avais 10 ans je crois. Bon. Raconte-nous tes 10 ans. Bah j'avais eu un iPod et j'étais parti manger un couscous. Pour mon anniversaire. C'est magnifique couscous d'anniversaire. Je m'en souviens tellement. Bon alors là il y a le circuit des trucs pourris. Faut aller chercher les Pokéball, je crois qu'il y a un super moment à prendre. Je suis en train d'essayer de le faire le circuit des trucs pourris. Et une Pokéball c'est un super bonbon donc. Ah mais ça doit être la seule que j'ai pas eu. C'est la plus relou à avoir de toute façon. On ira la prendre en retour. Faut passer par l'ascenseur ou non, c'est qu'on n'a pas la porte de l'ascenseur, c'est ça, donc il faudrait qu'il nous faut la clé. Je vais être connerie. Voyons voir. C'est toi qui donne la clé? Oui, non. En plus, j'ai revu un let's play sur cette partie là et je m'en souviens quand même pas. Alors, j'ai dû le revoir il y a un mois. Hein. Quelle mémoire incroyable, tu vois. Mémoire et ma mémoire. C'est magnifique. Hein. Ça a l'air. Non, mais des fois, ça dépend. Des fois, j'ai une bonne mémoire. Hein. Donc, ça me va même. Mais pour des trucs à la con. Genre, je peux te redonner facilement la couleur du vernis qu'avait ma copine le premier jour où on s'est vu, tu vois. Enfin, mon ex, du coup, maintenant. Mais que des trucs à la con, tu vois. Mais me souvenir. Par exemple. C'est le savoir. Le savoir du vernis. Me souvenir d'un truc important, je pourrais pas. Hein. Super potion. Putain, je dois tout me retaper, quoi. C'est quoi ce truc? Non, mais faut prendre en retour le super bonbon. Non, mais en fait, il était pas là, le super bonbon. C'est dans la deuxième partie, je crois. Allez, boum. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez hop, petite griffe dans ton visage. À l'aide de vernis, hein, Jennifer Lawrence, vernis, tout est lié. Du coup, tu dois avoir un peu d'avance sur moi vu que j'ai un peu galéré à prendre toutes les Pokéballs. On m'a demandé. Ben, genre, si Scope, je ne sais pas, c'est aussi une hyper potion. Hop. Hop, donc nous sommes de retour pour un petit combat. Putain, qu'est-ce qu'ils cassent les couilles avec leur crâne mort, sérieusement, ça fait trop mal cette attaque. Hop, en karaté, mon gars. Il rate attaque, il va se prendre un point karaté aussi.
Vas-y. On fait que de rater nos attaques, c'est un peu relou. RT si c'est triste. Hop, donc lui il est mort. C'est comme ça qu'on tue les dresseurs. Et ouais, tuer les dresseurs, c'est ma vocation. Du coup, il y a une Pokéball là-bas. Du coup, est-ce qu'on s'arrête là maintenant qu'on a accès à l'ascenseur? C'est ici? Ah, c'est bon, tu as accès toi? Bah ouais. T'as la clé? Bah, c'est après avoir tué les mecs là-bas. Ils te l'ont donné donc? Bah, je sais pas si ils m'ont donné, j'ai pas vu les textes. Vérifie si tu peux utiliser l'ascenseur quand même. Bah oui, je peux l'utiliser, je suis dedans. Et alors, c'est pas parce que t'es dedans que tu peux l'utiliser? Bah, si, parce qu'avant, je pouvais pas rentrer dedans. T'es sûr? Attends, je vais l'utiliser, hein. Ah non, il faut une clé. Pourquoi avant je peux pas y rentrer? Attends, quoi? Et donc, on l'a comment la clé? Ouais, c'est un membre de la Team Rocket qui doit nous la donner. Ouais, c'est par là, je crois. Après qu'on l'ait battu. Attends, déjà on va tuer lui. Non, lui on l'a déjà tué, je crois. Oh, attends, on est en bas ou d'en haut? Je suis perdu. C'est là, on remonte. C'est l'homme perdu. Les deux en haut. Donc là, on descend et on vient du en bas. On revient du en bas. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on a? On a la deuxième partie de tes micmac à Padiwan pour avoir sûrement un super bonbon. Alors eux, ils donnent rien du tout. Allez, prends le karaté dans la gueule du Machoke, frappe Atlas dans la gueule de Jennifer Lawrence, prends le karaté dans la gueule. Je vais aller régène vite fait, hein, comme d'hab. Moi j'ai la flemme. Ah, j'ai un peu la flemme aussi, mais bon, j'ai envie de faire pex mon mini Draco. Quoi. Ah, moi t'inquiète, j'ai toujours avec toute sa vie parce que j'ai la flemme de le monter, j'irai monter en off. Ouais, j'ai perdu, non. Bah si t'as perdu. Hop, j'ai trouvé une CT. Hop, hop, hop. Je fais des bonks. Alors là, si je fais ça, je vais chercher le Pokéball là. Pokéball là, c'est le super bonbon. Ultra simple à avoir du coup. Mais où est-ce qu'on va pour aller là où on veut aller? That is the question. Ok, non, on passe par là, simplement. Hop, hop, hop. Il est là, pancake, quoi. Quoi? J'ai fait quoi encore? Non, je te vois passer sur mon écran, c'est pour ça. Parce que tu vas passer, t'es où? Je combats le premier Rocket quand on descend l'escalier. Non, faut pas que je passe par là. Faut pas que je passe par là. Je passe par où? Je passe par là. Hop, hop, hop. Hop. Du coup, le Mewtwo sauvage s'est lassé de son propriétaire. Ouais, j'ai vu ça. C'est bon, chelou leur truc. Vas-y, j'ai la flemme, il me saoule. Oh, je l'aime pas lui. Tête de pouilleux. Toujours des merdes qui me capturent, je m'en vais. Putain, le super bonbon dans mes souvenirs, elle était plus dure à voir. Bah écoute, oh merde, tes souvenirs disaient faux. Hein. Ouais, mes souvenirs, ou alors c'est pas pareil dans Pokémon, mais... Les souvenirs disaient faux. Hein. C'est ça. Tu as des souvenirs des Dark Price, mon gars. Je crois qu'il y a pas pire que des souvenirs Leader Price, quoi. Bah, après c'est quoi? Super U, peut-être. Super U, après c'est les Carrefour. Lidl. Lidl, putain.
la marque de casino là, Vival je crois. Simply Market. Cooksy Market. Cooksy Market. Évidemment. Trouver une huile max, ok. Ok. Et lui, ça doit être le dresseur qui va nous donner. Du pain, oui, il va nous donner du pain, le truc inattendu. Ah bonjour, moi je suis boulanger. L'ascenseur ne marche pas. Quelqu'un. Ouais. Qui a la clé? Qui a la clé? Je pense que c'est toi par hasard. Hein. Ah, ils me font chier avec leur croc de mort. Ah non, putain. Il a pas la clé, il a ce mogo. N'importe quoi. Tu pensais qu'il allait envoyer la clé au combat, toi? Bah, comment ça s'appelle les Pokémon clés? Je sais pas si il fait partie de la 6G, je sais pas. Oui, ça fait partie de la 6G, il y a une Pokémon, c'est un truc de clé. Un porte-clé avec des clés dessus. Je sais pas, faudrait trouver un truc, genre il s'appelait trousseau quelque chose, non? Peut-être. Je sais pas. Ah, mais souvent c'est des noms comme ça, tu sais. Ah ouais, souvent. Peut-être c'est. On va l'appeler Troussolier pour le besoin de la vidéo. Hein. Trousse enculé. C'est à peu près ça. Parce que je ne respecte pas les trousseaux de clés, moi. Ah, les lunettes noires, c'est pas mal ça comme item. Tu les as eu où? Juste après le truc des. Des machins, je sais pas quoi. Sérieux? Yes. Ah ouais, c'est lui qui donne la clé. On peut la voir, mais pas de souvenir. Il va la poser juste à côté de lui, à sa gauche, normalement. Ah, le bâtard. Moi j'ai dit tu donnes, j'ai pas dit tu lances. Tu le mets dans ma main. Dans ma main. Hop, non pas dans ma main, dans ma main. Ah, j'ai pas dit dans maman. Hein. T'as dit dans maman. Ah non, mais rien dans maman. Je suis pas d'accord. Ah ouais, il a laissé tomber la clé. Hop, du coup je m'en vais. Je vais soigner mes Pokémon et tu me diras quand tu auras fini pour qu'on dise au revoir. Eh ben on va faire ça, écoute, hein. Là il me fait perdre du temps à changer ses Pokémon, ce pouilleux quoi. Je vais soigner mes Pokémon, ouh. Trop bien, est-ce qu'on peut utiliser le vélo dans le revers de la Team Rocket? Non. Mec, c'est un gros tuck quoi. C'est trop bien, non? Est-ce que je peux utiliser mon vaisseau, moi? Dans la base de la Team Rocket, sûrement. Sûrement. Bon, allez, plus vite que ça, je te dépêche, je t'attends, moi. Plus vite que ça, je te dépêche. Je vais aller soigner le Pokémon aussi, hop. Bah, du coup, non, viens, on dit au revoir. Sinon, on va perdre trop de temps, t'as vu. Le temps, c'est de l'argent. Ah, c'est bien à toi de dire ça, putain de merde. Mais ouais, j'ai pas obstiné par l'argent. Eh ben, je te laisse faire l'intro du temps que j'arrive au centre. Hein. Enfin, l'intro de fin, bien entendu. Eh bien, salut à tous. L'enculé. Eh bien, salut, au revoir tout le monde. Ce fut un plaisir, j'espère que cet épisode vous a plu. Il arrive encore une fois au vaisseau, au centre Pokémon. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, sûrement vendredi, parce que oui, ce sera vendredi. Allez, ciao. Salut.